Merci beaucoup, monsieur le journaliste, avec cette visite surprise pour savoir l'état de santé. Nous sommes ici dans notre hôpital depuis mai 2019. Il s'appelle Gabriel Mwangakambi. Cet homme, d'une quarantaine révolue, est le médecin directeur de l'hôpital d'Ipeta. Bon, l'hôpital, en tout cas, c'était dans un état très, très difficile, qu'on puisse appeler sur le plan fonctionnement, sur tous les plans à l'hôpital. C'était très, très, très compliqué. À la tête de la zone de santé de Dilolo, le docteur Gabriel Mwangakambi était rappelé par sa hiérarchie pour venir sauver Dipeta, car cet hôpital était confronté à plusieurs difficultés, notamment la mégestion. Nous étions à la tête de la zone de santé de Dilolo où les chefs des zones avaient appelé pour venir à Kolwezi sans savoir les motifs. Quand nous sommes arrivés à Kolwezi, c'est là qu'on va nous dire que non, il y a un hôpital où il y a une mégestion et qu'on ne comprend même plus. Les agents ils travaillent, mais ça fait près de quatre mois qu'ils ne reçoivent même plus leurs primes. Mais sur tous les plans, en tout cas, l'hôpital ne fonctionne plus. Actuellement, une mission visiblement réussie, car tout a changé depuis son arrivée en mai 2019. Bon, est-ce à nous de dire ce que nous avons apporté, peut-être au personnel, mais du moins, ce n'est pas une façon de nous glorifier. Tout a changé. Aujourd'hui, l'hôpital ne connaît plus assez de problèmes qu'on parlait passé. Le médecin chef du staff, Christian Chiquez, le reconnaît. L'hôpital actuel, bon, en fait, au regard de ce que nous avons vécu par le passé, je ne crois pas qu'il y ait vraiment des difficultés à évoquer hein, vu le progrès, parce que moi, en tant que médecin chef de staff, je crois que c'est le sixième mois et que je suis médecin chef de staff. Je pense qu'il y a quand même une évolution par rapport à beaucoup de choses. Peut-être qu'il faudrait aussi interroger les agents, ils peuvent témoigner. Bon, il faut dire, quand il est arrivé, c'était dans un contexte de crise. Hein. Il y avait pas mal de problèmes dans la gestion, ici et dans la structure connue déjà par beaucoup de nos autorités sanitaires. Et je crois que c'est comme ça qu'il était arrivé pour gérer la crise. Nous ne pensions même pas qu'il allait beaucoup traîner, nous pensions que c'était pour une mission brève. Hein. Nous pensons que depuis qu'il est arrivé, il y a eu stabilité par rapport aux problèmes qu'on connaissait au niveau de notre structure. Caractérisé par un leadership hors pair, couronné d'un sens d'humanisme inébranlable, voilà ce qui décrit le mieux la personne du docteur Nkambi et les témoignages sont légion. Ya kweli huu baba depo tulikuwa naye hapana tunauza na matelevision tunauza na mpango bale ba kwanza bale tukupaka na iliria siku yote ni kuiliria me bantu ba wenye tunaendaka na kule Mungu ambariki hata tunashikia kwa sababu manafika kumtosha hapa tukunaenda tunatonga na magoti arudie tena na watoto wanaanza kufunda masomo bale watoto wetu wakubwa wengine bakufunde saa baba kiloko. Depuis Belle Lurette, l'hôpital d'Ipeta avait sa courbe en deçà de 29% de la qualité de soins, même dans l'organisation du travail. Bref, c'était la catastrophe sur tous les plans. Aujourd'hui, l'hôpital a remonté la courbe jusqu'à plus de 80% jamais réalisé depuis l'existence de cette infrastructure sanitaire. Il a donc fallu le comité de gestion Nkambi pour atteindre cette barre. Gabriel
L'hôpital était à 29% sur le plan qualité. La qualité, c'est ça, la qualité des soins, la qualité dans l'organisation, la qualité sur tous les plans. Et aujourd'hui, cette qualité est à plus de 80%. Ça, c'est très encourageant parce que nous naviguons entre 81 et 88% de la qualité. Quand un hôpital est à ce niveau-là, surtout un hôpital de l'État, vous n'allez pas en trouver 10 dans notre pays. Non seulement améliorer la qualité de soins, il a également humanisé le social de tous les agents. Car depuis son arrivée, aucun d'eux n'a connu l'arrêt de sa prime comme dans les passés. Ça, nous avons rencontré que les agents, j'ai bien dit, je les ai rencontrés avec 4 mois d'un paiement, de leur prime, parce que nous ne payons pas de salaire. Et cela avec 9 abonnés. Mais ces 9 abonnés étaient découragés parce qu'ils venaient à l'hôpital où il n'y avait plus de soins, parce qu'il n'y avait aucun produit pharmaceutique. Alors nous sommes arrivés, nous avons dit, les abonnés avaient rompu le contrat, juste à un mois avant que nous puissions arriver. Et raison pour laquelle c'était difficile de payer les agents, mais nous sommes battus pour que nous puissions quand même, sur le plan travail, qu'on puisse travailler et que le petit paiement des malades puisse quand même aider aux agents. Ce qui nous a aidé à remonter d'abord les 4 mois de primes qu'ils n'avaient pas reçues, mais aussi d'être à jour dans leur paiement. C'est-à-dire, avant le premier de chaque mois, c'est-à-dire le 30, le 29, le 31, les agents ont déjà reçu leur prime. Quoique elle est basse, mais elle est légèrement supérieure à la prime que ces agents obtenaient quand ils avaient les 9 abonnés. Docteur Christian Chiquez, lui, est plus ancien que le médecin directeur Gabriel. Il connaît au moins les conditions salariales des agents des 10 PETA avant et après l'arrivée du comité actuel de gestion. Alors, à l'époque, je me rappelle qu'il y avait des paiements qui devenaient de la prime locale, qui devenaient élastiques. Il y avait pas mal de mécontentement. Je me rappelle qu'il y avait même des mouvements de grève des médecins dans notre structure. Il y a des mécontentements, des mouvements de découragement et de motivation au niveau des personnels. Et je crois qu'il y avait à l'époque même certaines autorités sanitaires au niveau de la DPS et de l'inspection qui étaient venues pour calmer la situation. C'est dans ce contexte que l'ancien comité était changé, le médecin directeur était parti, on nous a amené le nouveau ici pour gérer la crise. Elles, ce sont des femmes des ménages de l'hôpital. J'ai jamais dû aux arts. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Donc on a l'état 100%. Quant à lui, aujourd'hui, il peut se procurer des choses qu'il ne pouvait pas par le passé. Au-delà de soins de qualité et de primes des agents, le comité de gestion Gabriel Mwanga a aussi songé à la construction d'une ANES qui contient une pharmacie et un dépôt pharmaceutique. Cette nouvelle construction est juste à côté du bâtiment de l'hôpital. Elle facilite ainsi aux patients des 10 PETA à se procurer les médicaments sur place. En termes de médicaments,
Nous sommes arrivés à l'hôpital où il n'y avait pas de pharmacie. Il n'y en avait pas. Mais, quant à nous, nous avons bâti une pharmacie dont la valeur du compte pharmacie n'est pas en dessous de 40 000 dollars. C'est rare que vous puissiez arriver dans un hôpital de l'État sans abonnés, sans financement extérieur, et mais d'avoir sur leur production une pharmacie à cette hauteur, et où les gens qui passent, quand ils voient notre dépôt pharmaceutique, nous envient. Le leadership est une vertu, surtout pour un homme honnête et consciencieux de sa mission. Aujourd'hui, l'hôpital est équipé des matériels de très bonne qualité pour une prise en charge optimale du malade. En ce qui concerne les matériels, je pense que ici dans le bureau où nous sommes, à part cette armoire que vous voyez là-bas en bois, tout ce qu'il y a ici, c'est nous qui avons payé. Nous pouvons aller dans la salle là-bas, là où il y a les AG, la salle du secrétariat. Tout ce qu'il y a là-bas, c'est nous qui avons payé. Nous pouvons aller dans tous les services. Nous avons des matériels comme l'électrophorèse d'hémoglobine qui sera installée incessamment, comme l'appareil de diathermie que nous utilisons. Nous avons l'appareil de DCG que nous utilisons. Nous avons même payé le matériel pour le bloc opératoire. Nous avons en tout cas les mousses. Tout ce qu'il y a qu'on travaille avec ici, en tout cas, à plus de 50%, c'est nous qui avons payé. Elle s'appelle AG Sophie Kalao, l'une des anciennes de l'hôpital d'Ipata. Grâce au docteur Gabriel, elle peut aujourd'hui travailler sur l'ordinateur de l'hôpital et non sur les siens, comme par le passé. Depuis un temps, les conditions de travail, en tout cas, sont très efficaces. Et je me rappelle au début, quand j'ai été affectée ici à Dipeta, en 2016, je n'avais même pas d'ordinateur de la structure. J'utilisais mon ordinateur propre. Mais depuis un certain temps, en tout cas, la venue du docteur Gabi en 2019-2020 jusqu'à ce jour, les conditions de travail sont vraiment impeccables. Kambi est actuellement l'homme le plus apprécié de tout Fungurume. Il a redonné l'espoir à tous ceux qui ne croyaient plus en cet hôpital. Je pense que ce n'est pas à nous de déclarer toutes nos réalisations, mais la bonne déclaration, c'est quand vous entrez en contact avec les agents. Choisissez n'importe quel agent au hasard. C'est lui qui doit parler de notre sens de travail, et de l'impulsion du travail. Dans un hôpital où je suis arrivé, qu'on avait moins de 5 interventions chirurgicales par mois, un hôpital comme Dipeta, mais aujourd'hui, que nous sommes à plus de 50, vous comprenez que aujourd'hui, je pense que nul ne doute que nous faisons des plaidoyers à tous les niveaux pour la construction d'un hôpital qui peut recevoir la masse des malades que nous avons. Parce qu'il y a certaines périodes où on a 2 malades par lit, il y a certaines périodes où on a des malades au couloir. Donc c'est parce qu'il y a un leadership qui sait comment faire avancer les choses. Voilà pourquoi tout, en tout cas, c'était une impulsion qu'on peut s'imaginer. Dipeta, un hôpital situé le long d'une route à fort trafic et dans une région minière, les patients les plus fréquents sont les accidentés. Ici, dans notre hôpital de référence, nous sommes dans une région minière, mais aussi nous sommes dans un milieu où il y a une route nationale qui a des milliers de véhicules qui circulent par jour. Nous allons dire que la première maladie que nous avons, c'est surtout d'abord les accidents de trafic routier, où on a des malades chaque jour. Raison pour laquelle notre vision était même de pouvoir quand même renforcer les capacités de la prise en charge des urgences, surtout dans des cas d'accident. Parce que milieu minier, ça signifie qu'il y a aussi des histoires de faiseurs artisanaux avec tous les méfaits qui leur arrivent, dont des éboulements, mais aussi des attaques entre eux-mêmes, traumatisés par les jets de pierres et tout. Donc c'est d'abord ce sens de traumatisme qui est la première maladie. Mais on ne peut pas oublier les autres maladies
quotidienne endémique dans notre pays, comme le paludisme, les infections respiratoires aiguës, les diarrhées, vomissements, le VIH aussi dans le milieu où il y a beaucoup de carrières. Donc ce sont des maladies que nous avons, mais aussi il y a presque une année et demie ou deux ans, nous avons rencontré une augmentation sérieuse des cas de fièvre typhoïde avec des perforations des intestins dues au Salmonella typhi, qui est le microbe de la typhoïde. Plus les cas des patients augmentent, plus l'espace pour le contenir devient petit. Il y a des cas que nous devrions hospitaliser, mais que nous constatons que la prise en charge en ambulatoire peut être possible. Ces malades-là peuvent être stabilisés et sortis pour les prendre en ambulatoire. Parce que réellement, si on était en train de respecter les normes d'hospitalisation, on ne devrait plus avoir de place où mettre les malades. C'est une pratique qui n'est pas du tout bonne, mais nous sommes obligés de faire parce que nous n'avons pas une infrastructure qui répond à la charge de la population. Pour pallier ce problème des capacités d'accueil, les yeux sont tournés vers l'entreprise TFM qui a promis, selon son cahier de charges, de construire un hôpital moderne. Le plaidoyer, je pense qu'il a été lancé et il est en cours. En cours, c'est-à-dire que dans le cadre du cahier de charges de la TFM avec la communauté, il y a le processus de construction d'un hôpital général de référence dont la capacité sera de 200 lits minimum. Ce processus, d'après la TFM, est en cours de faisabilité, c'est-à-dire qu'il y a des ingénieurs qui ont été amenés au site car la parcelle est là. Ce qui reste, c'est l'étude d'abord du terrain avant qu'il y ait la pose de la première pierre. En attendant, Cambib continue sa plaidoirie aux autorités provinciales pour leurs implications. Nous avons demandé à toutes les autorités, en commençant par nos autorités communales et provinciales, surtout Madame le gouverneur qui est là pour matérialiser l'idée du chef de l'État qui dit que tout doit aller de l'avant. Et on a senti aussi le travail sur le terrain de Madame le gouverneur de la province du Lualaba, on cite Madame Fifi Masuka, qui en tout cas ne cesse de pousser la province pour qu'elle soit réellement la province pilote sur tous les terrains. Et on est en train de le voir dans son implication sur les différents chantiers qui sont à lancer, pas seulement à Kolwezi, mais partout ailleurs. Même si les autorités locales ici, les bourgmestres et les autres sont en train de travailler, de faire un travail énorme. C'est parce qu'il y a un leadership conséquent à la tête de la province. À défaut, ça devrait être dit n'importe quoi. Reconnaissant les gestes et les efforts de l'autorité provinciale qui ne cesse de les accompagner, le médecin directeur plaide aussi pour la prime de risque et les frais de fonctionnement pour les agents des 10 PETA. Nous allons toujours demander à elle de penser quand même à pousser qui est l'avancement de ces activités. Pas seulement ça, parce que nous voyons que nos amis de Kolwezi, par exemple les médecins et infirmiers de Mwangeji, ont une prime spéciale Mwangeji de l'hôpital, de la province. Raison pour laquelle c'est une occasion que j'adresse à maman Béton, comme ça qu'on l'appelle, maman Fifi Masuka, que même le personnel de DIPETA, malgré qu'il est dans un carré minier, comme la TFM, les gens pensent que la TFM a une petite prime pour les agents. Non, il n'y a rien comme prime pour les agents. Je vais demander que maman se rappelle aussi à nos agents, que maman se rappelle aussi à nous donner un fisc, les frais de fonctionnement d'un montant quand même suffisant. Nous félicitons les débuts parce que il y a environ 3 semaines, nous avons reçu 3 000 $ du gouvernement provincial pour les frais de fonctionnement de l'hôpital. Sachant les charges de l'hôpital, nous sommes en train de dire que non, qu'on puisse quand même revoir à la hausse ces montants, mais surtout aussi penser à nos agents, surtout les infirmiers. Nous, médecins, quand même, avec la prime de risque, ça va, ça nous aide, mais que dire des autres qui n'en ont pas, parce qu'il y a beaucoup d'agents que j'ai ici qui
qui n'ont pas des primes de risque. Si maman gouverneur peut penser aussi à eux. La province du Lualaba nécessite d'avoir de tels hommes compétents et consciencieux de leur tâche pour les développements intégrales.